J'espère que vous allez bien. Merci mon amour, je vous retrouve aujourd'hui. On est dimanche 24 janvier. Là, il est 10h54 et en fait, j'ai fait dodo chez ma mère hier soir. Hier soir, c'est une journée que j'ai voulu garder pour moi. Du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout vloguée. Mais j'ai une vidéo face cam que je vais mettre à la place. Donc voilà, j'aime bien m'organiser comme ça. Donc là, j'ai les cheveux tout comme ça, mais c'est parce que j'avais des tresses collées que j'ai retirées. Du coup, c'est vrai que ça donne grave du volume, ça change. Mais dans tous les cas, je vais les laver tout à l'heure parce que là, ils sont un petit peu gras, j'avoue. Donc bref, tout ça pour vous dire, là je vais me préparer. Les filles sont en train de se préparer aussi. On va repartir à la maison. Je dois déjeuner avec ma meilleure amie et après Ali ira bosser dans tous les cas. Donc faut qu'on soit à la maison. Oui, maman, oui hier, oui. Okay. Donc bref, là on va pas tarder à y aller. On va changer, ramasser nos affaires et je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti. One eternity later. Bon. Ok. Là, on se retrouve, il neige. Je suis grave contente. Attendez, mais... En plus, c'est de la bonne neige, là. Ouais, je sens que ça va tenir. Donc, c'est la première fois que je vais prendre ma voiture sur la neige. On a un petit truc vite fait à faire avec Didi. Du coup, j'ai retrouvé Didi. Ah non, je vais le mettre doucement. Voilà, on a un petit truc à faire. On est en mission. Ouais, mission. Donc, j'ai laissé Ali avec les enfants. Et j'espère que ça va bien se passer. Je suis désolée, je peux pas vous en parler. Mais juste prier, Inch'Allah, pour que ça se passe bien. On vous dira si ça s'est bien passé tout à l'heure. Donc là, on y va. A few moments later. On se retrouve peut-être une heure plus tard. Franchement, on a un peu raté notre mission. On aurait essayé. On aurait essayé. Sachez juste qu'on a raté une petite mission, mais qu'on va s'en remettre, ça va aller. Donc, il est 14h. Et nous, on va aller déjeuner. Ma maman, elle m'a fait une gamelle, en fait. Donc, on va manger. En attendant, les filles, elles ont déjà mangé, en fait, avec Ali. Donc, nous, on va juste réchauffer nos assiettes. Là, il neige. C'était la première fois que moi, je volais dans la neige parce que bah, j'avais un peu peur, en fait, la première fois là qu'il a neigé. Et puis là, aujourd'hui, c'était pas vraiment comme si j'avais le choix, en fait. Donc, bon, je l'ai fait et ça m'a pas dérangé. En vrai, ça allait. Juste sur ma voiture, elle n'arrêtait pas de s'afficher, risque de verglas. Et genre, j'étais pas sereine. Mais c'est pas bien grave, en tout cas on va quand même profiter de cette petite journée tranquille au chaud à la maison. On va la terminer tranquillement, je pense que je vais commencer à faire du tri, enfin pas commencer, juste continuer probablement. Mais avant ça faut vraiment que je mange parce que là ça y est j'ai faim. Bon là je vous retrouve un petit peu plus tard, il est 16h et quelques. Et là cet après-midi, enfin cette fin de journée, on va la terminer tranquillement sur le canapé ici. On a mis Rebelle sur Disney+. Et on va se poser tranquillement, on va se faire une petite boisson chaude ou quoi. Par contre, je voulais juste vous parler deux secondes d'un truc. J'ai kiffé de ouf. En fait, j'ai eu ça en cadeau. Et franchement, je suis tellement fan. Donc là, c'est deux bougies qui viennent de Monoprix. Alors, on nous dit qu'il y a à peu près 35 heures de consommation. Que c'est fabriqué en France. Et que c'est de la cire végétale à 100%. Franchement, j'ai jamais eu des bougies qui sentaient aussi bon. Alors celui-là, c'est fleur d'hibiscus. Je connaissais même pas en fait la senteur. Donc j'étais agréablement surprise. C'est un truc de fou malade. Et celui-ci, c'est fleur d'eau. Eh, franchement, c'est les deux bougies que j'ai eu dans ma life qui sentent aussi bon. Et c'est à Monoprix. Donc si jamais vous êtes des grandes fans de bougies, du moins comme moi, j'en ai énormément. Je vous conseille de ouf ceux de Monoprix. Et c'est cette gamme-là avec le petit bouchon en bois. Franchement, ça sent trop bon. Et du coup, j'ai pas du tout envie de les utiliser. J'ai envie de les garder pour quand j'aurai un chez moi dans lequel je me sens bien, je les allumerai. Ouais, Inch'Allah, je les garde pour ça. Du coup, je les garde comme ça, mais je suis trop contente. Et sachez que même sans les avoir consumés, juste le fait, là, elle est fermée, en fait, ça dégage grave une trop bonne odeur, mais tellement douce. Genre, je suis rentrée chez moi tout à l'heure, ça sentait ça, or que c'était même pas allumé. Et vraiment, j'en suis fan. Et je pense vraiment que je vais continuer longtemps sur ces bougies de Monoprix. Vraiment, je vais continuer longtemps. Genre, ça, c'est un trop beau cadeau. Bref, je suis ravie. Donc bon, on va se poser dans notre dessin animé. Et puis, je vous reprends. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right. We're losing track of time. Buying things online, and it's not like we need them. We don't need them. So, can we just slow
One eternity later. Je vous retrouve, il est 21h20. On a couché les filles. André, elle est au-dessus de ma tête. On a couché les filles à 19h30. En fait, Lena s'est endormie sur Didi. Et Naya l'a suivie pas longtemps après. Donc, 19h30, les deux étaient au dodo. Nous, aujourd'hui, on n'a absolument rien fait. On était dans un mood assez particulier. Ça a été genre, on a regardé un film avec les filles. Je crois qu'il faut pas qu'on touche l'enfant. Les filles, s'il te plaît, pas de dinguerie. On a regardé un film avec les filles, on a regardé Rebelle. Après, on est resté posé au canapé. On a mangé du chocolat. Mais on n'a rien fait de spécial. Pour le coup, c'était vraiment un vrai dimanche, mais ça m'a fait du bien de me reposer. Et en fait, là, j'ai trop du mal à me dire que cette journée aurait servi à rien dans un sens parce qu'on a absolument rien fait. Je me suis dit que c'était le moment pour faire un carton. Donc là j'ai un carton et je vais mettre la vaisselle que j'utilise pas pour pouvoir la donner en fait. Donc voilà, on va trier, on va faire ça, comme ça va m'avancer aussi. Et le chat adore le carton. J'espère juste qu'elle va faire de dinguerie dedans, tu sais. Ah voilà, c'est mon lieu. Grave, mais j'ai tellement de tèche. Donc bref, là on va faire ça. Je vais essayer de vous mettre en image. Il faut juste que je vous pose quelque part et puis écoutez, je vous reprendrai quand on aura terminé et puis je vous montrerai un petit peu si j'ai avancé ou pas. Cette fois-ci, dans mon tri, j'ai vraiment pas jeté grand-chose. Quelques cintres qui sont morts, un plateau vraiment, il a plus de vie. Et ce sable magique, ça fait genre trop d'années que c'est ouvert, donc voilà. Autrement, pour une fois, j'ai fait attention de vraiment bien trier. Donc tout ça, c'est pas acheté, c'est un sac à donner. Et en fait, il y a un peu de tout. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a des cintres qui sont vraiment en très très bon état et que j'ai utilisé vraiment longtemps. Après, c'est parce que j'ai voulu un peu de changement. Donc j'ai acheté des cintres en velours. Là, il y a cette petite boîte à thé, mais j'en ai déjà une, donc c'était pas utile de m'encombrer avec deux. Il y a un petit tapis de prière, quelques petits trucs de vaisselle. Donc je suis trop contente parce que du coup, ça, je vais pouvoir le donner. Ça me fait quand même un sac action rempli. Donc même si c'est pas un truc de ouf, je me dis que c'est déjà un peu de tri supplémentaire. Surtout que j'étais hyper bien partie dans mon tri. Enfin, genre, je vidais un sac poubelle là. Entier, j'en vidais un par jour. Après, ouais, j'ai été un peu malade et tout. Donc, j'ai grave lâché l'affaire. J'ai pas repris. Donc là, je suis contente. Ça fait un peu tri. Ouais, la journée, bon, on n'a pas fait grand chose. Mais quand même, je vais vous montrer au niveau des plis. Le truc, c'est que je vous ai pas fait un avant-après. Donc, en fait, vous aurez pas trop une idée. Mais bon, en gros, vous voyez que là, c'est pas encombré. Que absolument tout rentre. Et ici... c'est pareil, c'est pas encombré, il y a absolument tout qui rentre et c'est ça que je veux en fait. J'ai pas envie d'un truc où il y a trop de trucs qui tombent un peu partout. Et en vrai, il y a encore plein de choses dont on devrait se séparer, genre ces trucs là. Mais les filles, elles kiffent. J'ai un biberon, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé. C'est un biberon, comment ça s'appelle? J'avais une collaboration avec... ouais, tu shake. Ouais. Ah, en plus, Taïna, quand elle était malade, elle m'a demandé un biberon. Je lui ai dit, j'ai plus. Bref, en gros, voilà. Il y a quand même un petit peu de tri à faire, mais le plus gros, franchement, il est fait. Ça va, Luffy, on ne dérange pas? Ça va, Didi, on ne dérange pas? Calme. On est là. La street.
je vous retrouve. Il est un test PCR, ça s'impose. Il est 1h31. On a passé absolument toute la soirée à discuter. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on était un petit peu dans un mood particulier. Je crois qu'on était un peu triste et tout. Ouais. Mais c'est parce qu'on sait que c'est la fin, qu'elle va partir. Et franchement, on a passé des trop bons moments, vraiment des trop bons moments. Mais on se voit très vite, Inch'Allah. On se revoit très vite. Mais du coup, ouais, je pense qu'on est un peu triste. Et du coup, ça, c'est trop ressenti sur toute la journée. On était grave au ralenti et tout. Et là, en fait, il est 1h31. Demain, je me réveille à 7h. Donc, il faut vraiment que j'aille au dodo. Ouais, parce que du coup, j'accompagne les filles. J'ai un rendez-vous au matin avec Ali. Donc, il faut vraiment qu'on soit réveillés et qu'on y aille. Ali, je pense qu'il y a plus tard à rentrer. Mais je pense que là, je peux plus l'attendre. Je suis genre vraiment éclatée. J'ai commencé à faire du montage, mais je le terminerai demain dans la journée. Il faut vraiment que je le fasse. Mais là, je me sens pas du tout de me remettre sur du montage. Donc, je vais m'arrêter ici. En tout cas, j'espère que ce petit dimanche tout calme, tout tranquille, vous aura quand même plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous prendre. Et puis, je vous fais de très, très gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et à très, très vite.